Le prochain défi va vous demander de participer à l'élimination de Kadotorn, le revenant. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans les sous-sols de Eclipsed Estead, à cet emplacement-là, à la chambre forte, à l'ancienne chambre forte, parce que là, il n'y a plus la chambre forte en fait, et bien vous avez une pièce secrète où justement, il y a Kadotorn, le revenant. Donc vous allez ici, là ce que je vais vous conseiller, c'est de fouiller les coffres. Voilà, vous fouillez les coffres pour obtenir des armes, et je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de tuer Kadotorn sans prendre de dégâts. Donc c'est super cheaté, hop, là vous ouvrez tous les coffres, vous prenez les armes qui vous intéresse bien évidemment. Voilà, parfait. Quand vous êtes stuff, vous allez là où il y a Kadotorn, vous allez construire tout simplement une, deux, trois rampes et vous allez vous placer sur la troisième barre, donc celle-ci. Ok, donc regardez, là je suis sur la troisième barre, donc une, deux, trois. Donc la troisième barre en partant de la machine à remonter le temps, ok. Donc quand vous êtes sur cette barre-là, vous allez voir que Kadotorn ne pourra pas vous tirer dessus ni vous toucher avec son katana. Donc là, vous allez pouvoir l'allumer. On va même lancer une petite tourelle comme ceci. Et là, vous allez pouvoir l'allumer tranquillement. Donc regardez, là, il ne me touche pas, tranquille. Et là, ce que je vais faire, je vais lui envoyer 2-3 roquettes. Et voilà, c'est ma petite victime, en fait. Là, vous allez pouvoir le victimiser et vous allez pouvoir le tuer super facilement. Dès que vous aurez réussi à le tuer, bah là, normalement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.